Y a ma voisine en bas qui est en train de le crier. Elle a dit qu'on était par qui. En fait, elle est fâchée parce qu'en fait, elle a une terrasse qui est en bas de chez nous. Et en fait, on a fait tomber une bouteille d'eau vide dans son jardin, dans sa terrasse, mais on n'a pas fait exprès, elle s'est tombée tout seule, quoi. Alors, ben, elle pète un câble. J'espère que j'aurai assez de stockage pour filmer toute ma vidéo. Ça dérange pas quand il y a un boxeur derrière moi? Dès que je te vois même pas derrière, tellement que t'es noir. Bon les gars, mais putain j'ai l'impression que je suis un peu trop blanche, non? Ok. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par contre la télé. En fait les gars, désolé en fait parce que ça fait bien plus d'un mois maintenant que j'ai plus fait une vidéo sur YouTube. Parce qu'en fait j'avais un peu la flemme de faire des vidéos sur YouTube, donc j'étais pas du tout active, mais bon je suis active quand même sur tous les autres réseaux, donc je vous mets tous mes réseaux en barre d'infos, venez me suivre. Allez, à suivre. Youhou. Hey guys. Hey guys. Non sérieux, venez me suivre sur les réseaux parce que je suis plus active sur YouTube, je suis un peu bof bof. Vous ouais. Savez que je me suis maquillée spécialement pour faire la vidéo, là il est 11h, non 10h, il est 10h15 du soir et 22h15 quoi. Du coup je me suis maquillée spécialement pour vous. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, un haul dont je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Parce que j'ai reçu un big colis d'un site coréen qui s'appelle YesStyle. Non, c'est pas Chintantong. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Je vous mets, enfin, je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'infos parce que j'ai jamais mis de lien en fait dans ma barre d'infos. Je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer. De toute manière, il y aura quand même le nom du site si jamais j'arrive pas à le faire. Ça marche pas, ça fonctionne. Je les écoute, celle-là, ça fait super mal. Bon, bah, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. 1, 2, 3, let's go! Let's go! Je vais essayer d'aller vite, mais j'ai pas beaucoup d'espace de stockage, donc je vais parler super vite comme ça. Moi j'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous montrer, et puis je crois que quand je ferai mon montage, je vous mettrai là ou là les essayages en même temps. Enfin, vous prenez. Première chose que j'ai essayé, c'est une jupe. Que j'ai essayé, j'ai dit. Faut que j'enlève mon wifi. Attendez. Première chose que j'ai reçue, c'est cette jupe que je trouve trop belle. Elle est avec des petits carreaux noir et blanc et il y a une fermeture derrière, c'est une petite tirette. La fermeture est derrière ou devant? Ouais, elle est derrière la fermeture. Et je la kiffe trop, elle me fait trop de belles fesses donc j'adore. La jupe c'est tac à la mettre. Et je l'ai pris en taille S, donc je l'ai pris en ma taille, à ma taille. Et c'était la bonne taille donc voilà. Parce que je vais vous montrer certaines choses qui sont vraiment pas du tout à ma taille. Donc du coup bah, je serai pas à la mettre et je vais la donner à Malicia. Deuxième chose que j'ai commandée que je n'ai encore jamais mise, c'est une robe blanche, genre avec des fines bretelles, toute blanche. Quand tu la mets, on voit tout tes lignes, mais si tu mets pas toutes tes bords. Ouais, le truc c'est qu'en fait elle est, je sais pas si vous allez voir, mais elle est transparente en fait. Et donc bah, je pense que je vais la mettre comme robe de nuit parce que bon. Parce que moi je l'ai mis quoi, on voit tout mes têtes. Non, je m'habille provocante, mais genre pas à ce point-là, donc on voit tous mes sous-vêtements, parce que ça fait pas beau. Donc voilà, sinon bah à part ça elle est belle quand même hein. Bah c'est que des milliers. Ça c'est ma préférée, c'est aussi une jupe, je l'ai déjà mise mais je vais vous montrer. Donc c'est une jupe comme ça à carreaux, elle est trop belle hein. Bah non je les ai gardées pour la vidéo. Donc cette jupe là c'est ma préférée. Alors la tirette elle est devant, c'est une tirette avec une petite boucle comme ça, mais je suis trop dégoûtée, je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai mise deux fois. Regardez, quand je ferme la tirette, il y a un petit peu d'air qui passe, donc je sais plus la mettre. Et aussi je l'ai reçu avec le truc pour mettre la ceinture là, il est cassé quoi. Normalement ça devait être attaché comme ça. Et bah celui-là il est cassé alors que je l'avais jamais porté. Et la tirette est cassée donc vraiment ça craint, je suis dégoûtée mais elle est super belle. Et il y a des poches sur les côtés. Elle est trop belle. Je suis allée faire réparer la tirette. L'air qui passe c'est normal si c'est beaucoup de la tête.
ensuite, et j'ai commandé la bonne taille, c'est arrivé à la bonne taille, donc tout va bien. C'est la première fois que je fais un haul, je sais pas comment on fait. Bah, tu fais à l'entrée. Ensuite, j'ai reçu un petit top un peu style. Style espagnol, comme ça, un peu. C'est ça l'idée. Ouais. Espagnol. Ah, il est top. Il est top. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. En fait, c'est trop bizarre quand je l'ai déballé. J'ai cru que les coutures elles étaient à l'envers là. Mais en fait, non, c'est fait exprès. Et en fait, je l'ai pris en taille S aussi, c'est la bonne taille. Donc, il est cool. Il est trop beau. Ensuite, ah j'adore ça, je l'ai jamais mis encore par contre. Ensuite j'ai commandé ça, une petite blouse comme ça, donc c'est avec les épaules dénudées. Et alors les manches, c'est ce que je préfère, c'est les manches, elles sont genre en transparence comme ça, elles sont larges et il y a un petit nœud à la fin pour resserrer. Et je la trouve trop belle cette blouse, mais bon comme c'est la canicule, j'ai pas encore eu l'occasion de la mettre. Je l'ai pris en taille S aussi. Et attends. Ouais. Et c'est aussi la bonne taille. Donc c'est parfait. J'adore. Alors ça. J'adore moi, mais j'ai été beaucoup critiquée quand j'ai porté cette blouse là sur mes TikTok. Veuillez m'excuser. Ah, t'en auras toujours des critiques. Voici la bête. C'est une blouse totalement transparente, mais c'est trop à la mode en ce moment, genre avec des petits soutifs trop mignons en dessous, des petits colliers, c'est trop mignon. Moi je l'ai fait, je l'ai porté et j'ai été critiquée, mais je m'en fous, je la mettrai encore. Et voilà, j'adore, c'est trop beau. Et en plus sur le site vous pourrez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il y a plein de trucs différents, genre il y en a avec des étoiles, il y en a avec des petits motifs et tout, c'est genre trop beau. Ah voilà de quoi je vous parlais pour les tailles. Là, je vais... J'ai commandé un pantalon, donc ma taille, c'est taille S, évidemment. Je pourrais même pas l'essayer en fait, parce que c'est... en fait, voilà, comment je pourrais vous montrer. Donc déjà, regarde la taille de la taille. Je regarde. Genre, c'est pas normal. Je peux pas vous montrer comme ça, mais genre, le pantalon, quand il est mis, il m'arrive... ça me fait un 3/4 en fait. Il est tout petit. Il est tout petit, c'est un pantalon taille enfant. Et je me suis dit, bon, peut-être il est élastique, je vais quand même l'essayer. Enlève tout, mais en fait, poil. Mais en fait, il rentre même pas. Je mets mes deux jambes dedans, je le fais monter. Et au-dessus de mes genoux, il passe même plus, tellement qu'il est petit. Il est minuscule, je vous jure. Donc, du coup, je vais le donner à Malitien. Mais franchement, je le trouvais trop beau. Tu vois, avec des trous dedans et tout. Mais bon, c'est pas grave. Oh mais tiens, t'as trop la chance toi. Par contre la caméra elle est chelou là. Voilà. Ensuite j'ai reçu, je l'adore, il est trop beau, je l'ai pas encore mis. Un pull. Il est trop beau. Par contre je l'ai pris en taille quoi. Là, je crois que c'était taille unique en fait. Ah non, M, je l'ai pris en taille M. Parce qu'en fait je voulais qu'il soit large. Il est comme ça, il y a une capuche. Il y a des écritures sur les manches. Ouais. Je sais pas ce qu'il est marqué. Comme ça. Moi ce que je préfère sur mon pull c'est genre, ben, c'est pas ce que je préfère mais j'adore ça. Et en fait ils font tout le tour de la capuche, comment ça s'appelle ça, je sais même pas. Ils font tout le tour de la capuche et genre il est trop beau. Et alors il y a un côté du pull qui est un peu plus long que l'autre en dessous quoi. L'arrière est, mais c'est celle, coucou. Il y a un côté qui est, l'arrière est un peu plus long que le devant. En fait moi j'avais pris en plus large, donc en M, normalement je fais du S pour qu'il soit plus long et que je puisse le mettre un peu comme une robe. Mais le problème c'est qu'il va être un peu court. Donc je le mettrai pas comme une robe. Oh, il est hyper doux à l'intérieur, c'est genre comment on dit? Je sais pas, moi j'ai pas. Moelleux. Ça transpire. Il est super doux à l'intérieur, j'ai trop hâte de pouvoir le mettre, mais là comme c'est la canicule encore une fois, je peux pas le porter. Mais je l'adore, je le valide à mort. J'ouvre la canicule. Ensuite j'ai reçu une jupe que je trouve trop magnifique. Voilà la jupe en question. Elle était vendue avec une chaîne que j'ai avec mis. Toi avec une chaîne. Attendez, j'arrive. Bon, j'ai été chercher après la chaîne mais je l'ai perdue. En fait je l'avais mise avec l'autre jupe, justement avec cette jupe là je l'avais mise parce que je trouve que ça donnait trop un style, mais après je sais pas où je l'ai mise. Donc voilà, donc la jupe elle est trop belle, elle est comme ça, mais putain c'est quoi cette luminosité, elle est comme ça, elle est trop belle avec des petits détails ronds comme ça, je l'adore. Et en fait elle était vendue avec une chaîne
avec une grosse boucle aussi comme ça, genre elle était trop belle la chaîne, mais bon, je peux pas vous la montrer. Bon, le problème c'est que ben j'ai pris taille S, mais je ne rentre pas dedans, elle est beaucoup trop petite pour moi. Sinon c'est ma taille. Ben, donc du coup, ben, je vais aussi la donner à Malitia. Cette luminosité fucking de merde, elle me casse les couilles. Fucking de merde. Ouais. Voilà. Ah, regarde, mais regarde cette luminosité, je suis toute blanche. C'est pas possible ça. Je suis trop près de la ring light, je sais pas. Parce que je suis, voilà. J'illumine votre journée comme ça. Donc bah du coup je l'adore, mais je pourrais jamais la porter parce que j'essaie de la mettre et mes cuisses passent même pas dedans pour vous dire. Donc voilà. Je suis une grosse patate apparemment. Ensuite, ça je l'ai porté et je l'adore. Je l'adore vraiment, 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 vraiment. Je crois que ça c'était taille unique. Regardez-moi comme c'est trop beau. C'est genre, c'est à top comme ça, épaule dénudée. Et c'est comme la blouse noire avec les manches transparentes. Et c'est resserré au poignet et c'est genre trop, 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 trop beau. Ce qui est un peu bizarre, c'est que en fait là c'est hyper épais. Il y a genre deux. Comment, je sais pas comment vous montrer. Il y a genre deux couches à l'avant et deux couches à l'arrière. Du coup, ça fait hyper épais. Mais d'un côté, tant mieux parce qu'on voit pas à travers. Parce que moi je mets jamais de soutien-gorge, donc c'est mieux comme ça. C'est épais comme ma. Et alors, désolé, je me dépêche. La dernière chose que j'ai commandée, que j'ai déjà portée aussi et que j'adore, c'est un petit top comme ça. Je crois que c'était en taille unique. Bon oui, vu comme ça, on dirait que c'est tout petit, mais c'est bien ma taille. Donc voilà, avec les bretelles qui sont super fines. En fait, c'est élastique à mort. Hein. Donc avec les bretelles qui sont super fines, j'adore. Le seul hic qu'il y avait, c'est qu'en fait, dedans, il y avait un push-up. Mais il y avait un rembourrage dedans. Mais le truc, c'est que je l'ai retiré parce que ça faisait trop un effet... ça se voyait trop, quoi. C'est trop moche. Donc moi, je préférais mettre ça sans le rembourrage. Parce que de toute manière... pas besoin de rembourrage, de toute façon moi je ne mets pas de soutien, je m'en fous. Bien à la maison mon petit chien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Égal. Ouais, bah non, c'est moi. Je reviendrai, j'ai repris une nouvelle vidéo avec Rap. Non, je vais essayer de vous faire plus de vidéos, mais en fait, make-up. Un make-up, pourquoi pas, parce que... non, c'est bon, normal. Ok, ça va, un make-up. Je vais essayer de revenir bientôt, je sais pas quand je vais revenir, je reviens pas trop souvent sur YouTube. Ben parce que de 1 j'ai la flemme, parce que de 2 j'ai pas tout le matériel qu'il faut pour les vidéos. Ça me saoule de filmer avec mon GSM parce que j'ai pas assez de stockage. Là déjà mon GSM s'est coupé, j'avais stockage saturé, j'ai supprimé mes applications, du coup ça fait chier. Donc voilà, je vais me dépêcher de parler, là si je continue de parler ça va encore se couper. Donc bref, ma vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les liens de mes avis que j'ai reçus en barre d'infos, le site, mes réseaux sociaux. Si vous voulez les réseaux sociaux de Raphaël, je l'aime aussi. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Bisous.